Bonjour tout le monde, comment ça va? Hello, hello. Alors, qui c'est qui est arrivé déjà? Maryse, Daniel, les habitués. Oups! Ben, il y a plein de choses qui ont disparu. Ben, remets-moi les affaires correctement. Merci. Je sais pas, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Donc, Maryse, coucou. Salut José, salut Chris. Salut Johan. Ben, tu peux m'agrandir un peu mon écran, s'il te plaît? J'ai quelqu'un qui dirige tout à distance, j'adore. Ça fait un peu Big Brother. Alors, Corinne, bonjour. Salut Linda. Bonjour José. Ah, ça y est, ça revient. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Manon. Écoutez, je suis ravie de vous voir ce matin. Ouh, eh bien écoutez, on va commencer quelque chose d'assez intéressant. Salut Morgane, Morgane Ferrec. Est-ce que ça serait de la Bretagne, Morgane? Salut Nanou, salut Nadine. Alors oui, alors aujourd'hui ça va être vraiment intéressant. On va commencer un cours que je trouve très précieux quelque part parce que c'est un cours de chaussettes. Salut Cindy. Et de la Bretagne, ben écoute, mon papa et une grande partie de ma famille habitent dans les Côtes d'Armor. Voilà, donc... on revient à nos petits oignons. Alors, aujourd'hui, on va donc commencer le cours des chaussettes. On en a à peu près pour 4 à 5 cours, je dirais. On va voir un peu comment ça va se passer. Alors, Chris, tu attends Matcha. Alors, Matcha, elle est sur la terrasse et elle chasse toutes les mouches qui osent s'installer près d'elle. Donc, elle est en train de bondir sur à peu près tout ce qui vole. Voilà, mais là, elle vient de s'éloigner, elle se rapproche, il y a les poubelles qui passent. Bon, bref, regardez, j'ai même retrouvé le petit casse-noisette. C'est le seul qui a survécu des décorations de Noël après le passage de Matcha. Voilà. Donc, comme je disais, les chaussettes, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vous allez voir, on va faire des chaussettes assez épaisses. Mais c'est exactement le même principe que les chaussettes qu'on fait avec du fil fin. Donc... une fois que vous allez savoir faire ces chaussettes-là, écoutez, sky is the limit, hein, comme on dit. Voilà, c'est exactement ça en ce moment. Et voilà, il y a les vidanges qui passent. Maryse, tu me dis que mon image est vraiment décalée. Est-ce que vous me confirmez, tout le monde, que l'image est décalée? Ça se pourrait que ça soit sur YouTube. Dites-moi si c'est très décalé ou pas. Donc voilà, les fameuses chaussettes. Donc évidemment, Catherine m'a fait « Oh, ça c'est une super couleur et tout ». Alors je sais que pour plein de monde, c'est une super couleur. Donc j'en ai fait une et après j'ai fait « Ok, ben moi je trouve que ça c'est une super couleur ». Donc je me suis refait une autre chaussette dans mes couleurs à moi. Le principe, on va travailler avec deux fils. On travaille, moi, celle que je propose. Il va y avoir un fil de mohair et un fil fin, si possible ben, de la laine, hein, ça sera toujours le mieux. C'est ce qui est le plus adéquat et le plus chaud. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre du mohair? Alors, plusieurs raisons. Un, ça va donner beaucoup de résistance. Alors, c'est intéressant de savoir c'est quoi le mohair. Le mohair, je me rappelle encore quand j'étais une toute jeune tricoteuse, j'étais rentrée dans une boutique dont je tairais le nom. Et j'avais vu qu'il y avait du mohair et j'avais dit « Waouh, c'est intéressant, il y a plein de poils et tout, c'est quoi comme fibre ?» Et la vendeuse avait, voilà, elle avait froncé son front, là, vous voyez mes petites rides de tortue philosophe, là, un peu comme ça. Elle avait fait « Oh, je pense que le mohair, c'est du poil de vache. » Alors, nous allons donc faire une clarification tout de suite. Le mohair, c'est une poil de chèvre. C'est une chèvre angora, c'est une chèvre à poils longs. Et voilà, et donc ça vient de cette bestiole-là, de la chèvre, mais d'une certaine race de chèvre, hein, une chèvre angora. Et puis, nous avons deux types de mohair, ce que vous allez pouvoir voir sur les étiquettes, soit du kid mohair. J'ai une autre petite anecdote, kid mohair. Je me rappelle, je travaillais encore une fois dans une autre boutique de laine et une nouvelle marque avait décidé de vendre ça sur le marché québécois et donc avait décidé de traduire kid mohair. Voilà, donc ça avait donné mohair de gosse. Voilà, c'était très rigolo d'avoir plein de pelotes de laine avec marqué mohair de gosse en traduction. Voilà.
je finis ma petite parenthèse. Donc, le kid mohair, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en effet, c'est le mohair des petits chevreaux. Et on ne fait que deux tontes, une tonte de printemps et une tonte d'hiver pour le kid mohair. Et après, on passe au mohair adulte. Ça devient du mohair normal, ok? Donc, si vous voulez du kid mohair, sachez que ça ne vient... c'est quand même quelque chose, entre guillemets, d'assez précieux, d'assez rare, ce qui explique des fois d'ailleurs un petit peu son prix, puisque on ne le récolte que deux fois sur le chevreau. Voilà. Salut Daniel, salut Dan. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que je le mets à l'intérieur des chaussettes? Eh bien, ça va rapporter de la résistance parce que le mohair, c'est quand même un fil assez résistant. Souvent, le kin mohair est mélangé avec de la soie parce que c'est un fil. C'est un fil. On va comme le filer autour de la soie. Alors, on pense que les chevreaux, ils ont toutes des poils qui vont comme ça là, parce que le mohair est super poilu. Mais en fait, pas du tout. C'est qu'ils ont une fibre qui est très longue. Donc, dans les filatures, on va faire un fil avec plein de bouclettes. Et ensuite, on va le passer dans une machine qui va casser les bouclettes. Et c'est ça, en fait, qui fait que, pouf, ça fait plein de poils qui s'ouvrent. Voilà, c'est pour ça que c'est, on appelle ça, en fait, du mohair brossé. Donc, ça va donner de la résistance, de la chaleur et ça va remplacer aussi le nylon qu'on met souvent dans les chaussettes pour avoir de la résistance. Voilà, donc on va remplacer une matière naturelle à la place d'une matière synthétique. Si vraiment le mohair, c'est pas votre truc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait faire cette chaussette avec une laine d'une grosseur moyenne, donc on va appeler worsted ou hareng. Je vous conseille quand même qu'elle soit bien filée, assez résistante, hein, puisque ce qu'on met au pied a tendance à beaucoup, beaucoup frotter, évidemment. À moins que vous ne les mettiez que allongés sur le canapé, là, il n'y a pas de problème. Donc, bien filée et pourquoi pas, dans ces cas-là, un petit peu de nylon, hein, 20-25% de nylon à l'intérieur pour être sûr d'avoir de la résistance. Et après, j'aurai peut-être des personnes qui me diront « Eh, 100% acrylique ?» Bon, alors, vous connaissez, je pense, pour ceux qui me connaissent, en tout cas, mon point de vue sur l'acrylique, c'est... pourquoi est-ce que je vais encore plus le déconseiller sur les chaussettes? C'est que c'est une matière qui va très peu respirer, à la base. Or, nos pieds, en tout cas, ils suent beaucoup, en tout cas, les miens... voilà, un petit peu comme tout le monde. Et puis, et donc, ça va pas aérer vos pieds. Donc, c'est un petit peu, ça fait un peu spa pour les pieds. C'est peut-être pas ce que l'on veut. D'accord? Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. J'imagine que j'ai des débutants qui se disent, oh, mon Dieu, tricoter avec deux fils, ça va être tellement difficile. Alors, la grande nouvelle, tricoter avec un fil, deux fils, trois fils et 25 fils, c'est exactement la même chose. Vous verrez, il n'y a absolument aucune difficulté. D'accord? Donc, ça, vous enlevez l'alarme dans le cerveau, puis vous la rangez ailleurs parce que ça servira absolument à rien. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer les chaussettes? Donc, deux paires d'aiguilles double pointe. S'il y en a qui travaillent en Magic Loop, be my guest, il n'y a pas de problème, vous pouvez travailler en Magic Loop. Du 3,5, pourquoi 3,5? Parce qu'on va faire les côtes un petit peu plus serrées. Et ensuite, du 4 mm pour le reste de la chaussette. Alors, Jeanne me dit, une laine avec un 35% d'alpaga, est-ce que ça serait approprié? Juste laine et alpaga. Alors, le problème avec l'alpaga, il a plein de belles qualités, mais le problème, c'est que c'est une laine qui feutre très, très rapidement. D'accord? Donc, ça va être chaud. Je te dirais, ça risque d'être fragile, à moins que ta laine ait un bon twist. Donc, quand on parle d'un twist, hop, plus elle est twistée, d'accord, comme une corde, plus elle va être résistante. Voilà, donc si elle a un bon twist, pourquoi pas? Et puis après, ça dépend aussi l'usage que tu vas en faire. Moi, c'est des grosses chaussettes. Moi, j'appelle un peu ça des chaussettes de lecture. Les chaussettes que je vais enfiler quand il va faire froid, que je vais mettre dans le canapé pour lire et tricoter. Hop, je mets mes petites chaussettes de lecture ou pourquoi pas au lit aussi.
Pas pour dormir avec quand même, hein. Mais voilà, pour chiller, ça va être parfait. Donc pourquoi pas, d'accord? Ça va vraiment dépendre de ton twist. Ok? Ensuite, Ben vous a fait un super document, d'accord? Donc que vous pouvez télécharger évidemment dans le groupe sur les chaussettes marshmallow, ou vous allez les télécharger aussi sur le site internet. C'est un patron évidemment gratuit, donc voilà, et vous allez avoir besoin du patron. Ensuite, j'ai fait trois tailles. Et là, je me disais, oh, le premier cours, je vais leur dire quoi? Genre, montez X mailles et puis allez-y tout droit. Enfin, faites les côtes, allez-y tout droit. Ça, c'est. Bon, j'aimerais éduquer un petit peu plus. Donc, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin ce matin et de vous expliquer un petit peu comment ça se calcule des chaussettes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pieds. Donc, hop! Je fais du yoga, je suis super souple, mais je me suis dit que mettre les pieds sur la table, c'était pas si bien que ça. Alors, j'ai pris ce beau petit pied en bois pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on comprend là-dessus, d'accord? Justement, c'est ce que je vais expliquer par rapport aux grandeurs. Comme ça va bien vous aider à choisir la taille que vous allez faire et même. Je vais vous proposer de pouvoir changer ça si vous voulez. D'accord? Donc ça va être un peu notre premier cours ce matin. On va parler évidemment de l'échantillon, mais beaucoup nous suivent depuis un bout de temps. Donc l'échantillon, ça commence à être quelque chose de bien compris. Je reviendrai légèrement là-dessus quand même parce qu'on a beaucoup de nouveaux membres à qui je dis coucou et bienvenue d'ailleurs. Mais voilà, on va parler un petit peu de comment on fait une chaussette, comment on la calcule, ok? Donc, j'ai mon pied. Puis je vais prendre mon petit mètre à mesurer. Alors, à la base, notre pied, il est toujours plus large. Attendez, hop, on va passer avec ma petite caméra. Hop, voilà. Alors, notre pied, j'ai du poil dans les mains. Notre pied, voilà. Voilà. Notre pied, normalement, il est toujours plus large à cette partie-là. Vous voyez, juste après nos orteils, tout ça. C'est la partie la plus large de notre pied. Donc, quand on veut mesurer la circonférence du pied, c'est à cet endroit-là qu'il faut la mesurer. Donc, c'est la partie la plus large de votre pied. Donc, mon petit pied en bois, il fait 20 cm. Moi, je crois que je fais 23 ou 24, d'accord? Donc, ça, c'est la circonférence que l'on prend toujours pour se dire, ok, c'est quoi, quelle taille je vais faire, ok? Hop, on va revenir là, ok. Donc, c'est là que vous allez prendre pour savoir à peu près, ok, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est quoi ma taille, d'accord? Ensuite, je vais vous montrer un petit calcul. Vous inquiétez pas, c'est une règle de 3, c'est vraiment simple. Et si vous savez faire ça, comme je vous dis, vous allez pouvoir tellement adapter vos chaussettes, ok? Donc, hop, on est reparti sur ma petite caméra, voilà, ok. Donc, on est là, j'ai ma taille de pied. Alors moi, je vais partir sur la taille de pied que je fais normalement, voyez, voilà. Je sais que ma circonférence pour mon pied, eh bien, elle est de 23 cm, ok? Donc, vous allez voir. Je fais mon échantillon, donc vous voyez, j'ai ma petite carpette à hamster. Elle est définitivement trop petite. Elle aurait dû être beaucoup, beaucoup plus grande. D'ailleurs, elle m'a induit en erreur sur sur ma première chaussette, ce qui m'a obligée à écrire plusieurs tailles. Donc vous voyez, il y a toujours des bonnes choses dans les erreurs. Donc un échantillon, ça doit jamais être aussi petit que ce que j'avais fait. Dans notre cas, la chaussette. On sait que on a pour 10 cm, on a 20 mailles. Et alors là, vous allez participer avec moi. On va voir si ça peut être assez rapide sur Facebook, d'accord? Et sur YouTube. Je vais vous faire travailler. Alors prenez vos téléphones intelligents, prenez vos calculettes. On va jouer ensemble. On va faire un calcul croisé. Si pour 10 cm, j'ai 20 mailles. Alors, pour 23 cm, j'ai un nombre X de mailles. OK. Et regardez, c'est un calcul croisé. Donc, vous devez pouvoir me sortir le X. Allez, je vous laisse une petite minute et je veux voir des réponses qui s'affichent, d'accord?
Oh, Chris, t'es tellement rapide! Attends, j'ai même pas fait le calcul, j'ai pas mon. Attends. Hop, je sais même pas en fait si c'est bon. Chris, tu me dis 46. Et attends, je prends mon. J'ai même pas fait le calcul. Je construis un petit peu mon truc au fur et à mesure. Alors, ça nous fait. Et oui, Chris, bravo, c'est exactement ça. Donc, pour calculer le x, bravo, c'est exactement 46 mailles. Je vais vous. Bravo, Joël. Donc, je vais vous faire travailler un petit peu parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que de jouer un petit peu. Bravo, bravo. Salut, Zoé. Alors, quand on calcule un x, donc un produit croisé, hein, ça nous fait 20 fois 23 sur 10. Et en effet, ça nous fait 46 mailles. OK? Oups là. C'est comme ça qu'on va calculer. Alors, est-ce que je vais monter 46 mailles? Eh bien non, je ne peux pas monter 46 mailles. Pourquoi je ne peux pas monter 46 mailles? Alors, c'est comme le bonnet, c'est comme les mitaines. Si vous vous rappelez, il y a ce qu'on appelle une aisance négative pour que ça reste collé à notre pied. Et l'aisance négative, elle est de combien sur une chaussette? Elle est de 10%. D'accord? Donc, ça veut dire que mon 46 mailles, si je le montais, ben, mes chaussettes seraient trop lâches, trop grandes. Donc, il faut que j'enlève 10% de 46 mailles. Alors, on ressort les calculettes et vous allez me dire. Donc, ça, c'était mon étape 1. Ça, c'est mon étape 2. Mon 46 mailles moins 10%. Elle est facile, celle-là. Ça fait combien de mailles? Allez, allez-y, dites-moi. Il me reste combien de mailles? Après avoir enlevé 10%, donc après avoir enlevé l'aisance négative de 46 mailles. Allez-y. Si vous étiez en festival avec moi, vous savez ce qui se passerait? Si vous étiez en festival avec moi, donc je donne pas mal de cours en festival, normalement j'ai une pochette de bonbons et je donne des bonbons à ceux qui me donnent les réponses les plus rapidement. Voilà. Et je vois, c'est exactement. Donc, Nadine, tu as raison, on va enlever à peu près 5 mailles. Et ça fait ben, 40 mailles, 41,4 mailles. Mais 41,4 mailles est toujours difficile à monter. Donc, ça fait à peu près, en effet, 41 mailles. OK? Et puis, hop, donc ça fait à peu près 41 mailles. Vous avez tout à fait raison, hein, c'est ça. Mais donc, comme je vous disais, hein, on n'est pas dans Harry Potter, les voix. Je sais plus, c'est 7, 3 quarts, je ne sais plus. Ça n'existe pas. Donc, on va arrondir à 41 mailles, d'accord? Et puis, il va nous falloir un multiple de 4. Et on descend toujours, puisque ne vous inquiétez pas, la laine, ça s'étire la plupart du temps, d'accord? Donc, on va descendre sur un multiple de 4. Donc, le multiple de 4 le plus proche, ça va être 40 mailles. Ben, est-ce que la vidéo s'est arrêtée sur YouTube? Puisque Nathalie nous dit que ça s'est arrêté sur YouTube. Dites-moi pour les autres, d'accord? Est-ce que ça s'est arrêté ou pas? Alors, on va donc, comme je vous disais, on cherche un multiple de 4. Alors, pourquoi est-ce que je veux un multiple de 4? Alors, hop, est-ce que j'ai mis. Hop. Pourquoi je veux un multiple de 4? Alors, tout est d'une grande logique dans le tricot, d'accord? D'accord, pour toi non. Donc Nathalie, ça doit être avec ton YouTube qui a un problème. Ok, donc pourquoi est-ce que je veux un multiple de 4? Ah, ça coupe en effet, il faut rafraîchir. Ok. Ah, Linda dit que ça s'arrête tout le temps. Ah, oui, bon, moi je vais rester du côté exécutif. Ah, cela veut dire que YouTube est un peu lent. Donc ça peut être tout à fait à cause de l'Internet. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être nous rejoindre sur Facebook. Ok. Allez, je reviens sur. Mais pourquoi j'ai besoin d'un multiple de 4? Eh bien, ma chaussette, on va faire une coupe de la chaussette. Si je la regarde en coupe transversale, d'accord? J'ai un dessus du pied et j'ai un dessous du pied. Donc le dessus et le dessous. Et je vais travailler pour. Quand je vais travailler, je vais faire des diminutions, d'accord? Pour rétrécir ma chaussette. Et donc, je vais le faire à droite et à gauche du dessus. D'accord? Voilà. Et je vais le faire à droite et à gauche du dessous. Et puis, c'est un rond. On va le diviser de manière complètement égale.
Donc, ça veut dire que je dois avoir 4 parties égales. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un multiple de 4. Donc, vous comprenez maintenant. Hop. Ok. Donc, vous comprenez. Bon, donc, moi, je fais 23 cm de tour de pied. D'accord. Avec mon échantillon, j'ai décidé que j'étais un small et moyen. Et c'est pour ça que dans le patron, je vous dis de monter 40 mailles. Ok. Donc, le mieux, ce n'est pas votre longueur de pied qui est importante. C'est votre largeur de pied. D'accord. C'est vraiment plus important que la longueur. C'est la largeur. D'accord. Donc, faites ce petit calcul. C'est toujours intéressant. Normalement, je vous dirais qu'on va tous à peu près se retrouver à 40 mailles. D'accord. On est à peu près tous à 23, 24 cm de tour de pied. Sauf Clara, je lui ai pris son tour de pied. Elle était à 21 cm et je me suis dit, ok, ben, je vais faire la taille XS pour elle. Ok. Donc, est-ce que c'est clair ces petites explications toutes simples? Oups. Ces petites explications toutes simples sur comment est-ce qu'on calcule au départ. Nathalie, je l'ai montré au début comment on mesurait le tour de pied. D'accord? Et je l'ai montré au début ça. Ok, donc juste, tu reviens au début, je l'ai montré. Donc, de quoi j'ai besoin? De mon tour de pied et de mon échantillon. Et grâce à ça, je peux facilement décider le nombre de mailles que je vais avoir besoin, enlever mon 10% et ensuite trouver le multiple de 4, d'accord? Alors, est-ce que c'est le même calcul si on met du jacquard? Eh bien, évidemment, ton échantillon va devoir comprendre le jacquard, d'accord? Tout ce que tu as besoin, en fait, de savoir, c'est tout le temps, est-ce que mon échantillon est correct? Ok? C'est très important de comprendre ça parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à savoir est-ce que c'est le bon nombre de mailles ou pas, d'accord? Et la petite chose super intéressante qui va venir avec ça, c'est qu'après, vous pouvez mesurer n'importe quel type de pied, vous pouvez prendre n'importe quelle laine et vous allez savoir quel nombre de mailles vous allez pouvoir monter. Parce que par exemple, mon chum, ben, il a des petits pieds, mais ils sont super larges. Donc, si je m'étais fiée au fait qu'il a des petits pieds, eh bien, j'aurais monté très peu de mailles et il n'aurait jamais pu les enfiler. D'accord? Donc, voilà, très important, la circonférence du pied et l'échantillon. Je viens rapidement sur l'échantillon pour les petits nouveaux qui peut-être n'ont jamais vu encore la vidéo sur les échantillons. Oups. Donc, je reviens dessus rapidement. Un échantillon, étant donné qu'on va tricoter en rond, on va faire un échantillon en rond. D'accord? Nous faisons cet échantillon en rond. Oui, c'est anatomie des pieds et mathématiques ce matin. Donc, pour faire un échantillon en rond, mais qui soit pratique à calculer, voilà comment on va faire. Donc, vous montez 30 mailles. Évidemment, pour l'exercice, j'en ai monté beaucoup moins. Je suis sur des aiguilles circulaires ou double pointe. Le principal, c'est que ça soit ouvert aux deux extrémités. Puis, vous allez tricoter votre premier rang tout à l'endroit. Je vais essayer de ne pas vous donner mal à la tête avec le mouvement. Enfin, mal de mer plutôt. Marc, t'es avec moi? Salut Marc! Je vois pas quand il y a marqué Facebook user. Malheureusement, je ne peux pas savoir quel est le prénom derrière. Donc, si vous voulez que je vous identifie, dites-moi qui vous êtes. Ok? Ok, donc je fais un premier rang tout à l'endroit. Et puis, si je veux tricoter en rond, il faut que je reste du même côté, d'accord, sur l'endroit du travail. Alors, pour ça, je vais swinguer mes mailles de l'autre côté de l'aiguille. Donc, je les amène... Ah, salut Marc! J'amène les mailles de l'autre côté. Le fil, il va courir derrière. Voilà. Et je vais reprendre au début de mon rang. Donc, évidemment, à chaque rang, ce qui va se passer... c'est qu'on va avoir un fil qui va faire le voyage, en fait, du début à la fin. Coucou mon Marc. Donc, on va avoir ce petit fil qui va
à chaque fois, à chaque nouveau rang, va y avoir ce fil qui va voyager derrière, d'accord ? Donc c'est important parce que vous allez tricoter en rond, donc vous allez... Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, il y a ce petit fil qui court derrière. Quand j'ai fini mon rang, hop, je swing mes mailles à l'autre bout de mon aiguille et je fais voyager mon fil derrière sans trop serrer. Voilà, donc mon fil voyage derrière et je reprends sur l'endroit de mon travail. Vous voyez, je suis encore sur l'endroit de mon travail et puis je tricote à l'endroit. Voilà, donc hop, alors on se rappelle les règles de l'échantillon. Allez-y, je veux voir si mes enseignements je veux voir si mon enseignement a porté les fruits. Ok, combien de mailles on monte? 30 mailles. Ensuite, quelle hauteur? Eh bien, vous allez faire au moins 10 cm. Et oui, parce que juste une toute petite carpette comme ça, eh bien, ça ne va pas vous donner vraiment d'indication. Il faut monter au moins 10 cm, sinon vous allez vous tromper. Pour vous donner un exemple, parce que je fais des erreurs rien que pour vous, c'est mon sens du sacrifice. J'ai voulu aller plus vite que la musique, j'ai fait un tout petit échantillon. Et sur mon tout petit échantillon, eh bien, il y avait marqué que j'avais... que j'avais 18 mailles au 10 cm. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai écrit tout mon patron, j'ai fait ma chaussette et je me suis rendu compte qu'elle était drôlement petite, ma chaussette. Donc j'ai regardé l'échantillon sur la chaussette, eh bien, j'avais 20 mailles au 10 cm. Et oui, j'avais fait un échantillon trop petit. Alors je vois, il faut laver et sécher l'échantillon. Voilà, des gens qui suivent mon cours exactement. Donc, un échantillon, il fait au moins 10 cm, sinon il n'est pas valable. Ensuite, il faut le laver et il faut le sécher, d'accord? Et ensuite, où est-ce qu'on va prendre la mesure? On va la prendre, après on va prendre un échantillon qui ne soit pas trop petit. Voilà, et on va toujours aller chercher l'échantillon au cœur de notre tricot. Hein, ce n'est pas l'échantillon au total qu'on mesure, c'est tout le temps au cœur. Voilà. Donc, c'est ça un échantillon et vous voyez à quel point ça va être important. Hein. Si je m'étais basée sur mon échantillon puis que je n'avais pas essayé mes chaussettes, etc., je vous aurais délivré un patron avec une taille XS qui aurait à peu près allé à peu près personne, à part les enfants. Voilà, donc l'échantillon, c'est très important, surtout que nous avons toutes des tensions différentes, que vous allez utiliser des laines différentes, d'accord? Donc, super important l'échantillon, vous allez regretter si vous ne le faites pas, voilà. J'ai été assez effrayante, hein, comme ça, je pense, ouais. Ok. Ensuite, quand on a fait l'échantillon, qu'on sait le nombre de mailles que l'on va monter, on va commencer à joindre en rond. Alors, je remontre rapidement parce que, encore une fois, on a des nouveaux. Je suis tellement contente de vous accueillir. Et peut-être qu'ils n'ont encore jamais monté en rond. Donc, on va remontrer ça rapidement. Ok. Donc, là, vous voyez, j'ai préparé une petite démo. Donc, vous allez monter, imaginons, vous montez 36 mailles sur une seule aiguille, puis ensuite, vous allez les répartir sur 3 aiguilles. Donc, 12, 12, 12. Évidemment, il y a moins de mailles parce que là, c'est une démo. Okay. Ensuite, je suis là. Moi, ce que j'aime, c'est je fais toujours un petit nœud avec le fil qui traîne parce que ça ne va pas manquer. Je suis la Bridget Jones du tricot. Je vais travailler avec le petit fil et au bout de... du premier rang, ben, j'aurai plus de fil. Voilà. Donc, je suis ici. Le fil de ma pelote est à droite. Donc, l'aiguille qui a le fil de la pelote est à droite. Je vais mettre mes aiguilles en triangle. Je fais attention que toutes mes mailles soient bien dans le même sens. Hein, si jamais, quand on dit « faites attention de ne pas twister les mailles », c'est qu'on ne veut pas ça. Si vous commencez et que vous faites ça, vous n'allez pas avoir un rond. Vous allez avoir le nœud de Moebius, c'est-à-dire que vous allez avoir un 8 comme ça. C'est très, très, très difficile de mettre sur les pieds. En fait, c'est carrément impossible, ok? Donc, je suis
comme ça, voilà. Et je vais commencer. Ma technique à moi, j'aime bien mettre la deuxième aiguille dans le C. Vous voyez, le pouce et l'index, mais je la mets là, elle se repose, voilà. Ok, donc je suis ici. Les deux premiers rangs, c'est les plus embêtants parce qu'il n'y a pas vraiment de matière pour tenir les aiguilles. Puis après, c'est super facile, voilà. Donc, je vais piquer dans l'aiguille de gauche qui n'a pas le fil. J'ai mon fil à droite et c'est parti. Hop, je referme et on va faire de la côte de 2. Donc, 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant et 2 mailles à l'envers. D'accord ? Et ça y est, on est en rond. La vie est belle. Tout est parti. D'accord ? Vraiment super simple. Alors, hop, tadam. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question ? Avec les balles de laine Knitting for Olive suggérées, est-ce qu'on a assez de quantité pour faire l'échantillon et la paire de chaussettes sans risquer d'en manquer ? Ouh, ça c'est une bonne question. Je pense que oui, parce que je pense que ma chaussette faisait 35 mailles. 50 et 25, 75. C'est une bonne question. J'aurais dû peser mon histoire avant. Je sais qu'il y en a assez pour faire la paire, mais est-ce que tu en as assez pour faire l'échantillon et laisser la laine? Je ne sais pas. Dans ces cas-là, peut-être, tu sais, ne pas couper les fils à l'arrière pour que ça soit bien plat et essayer de récupérer ta laine. Je suis désolée, je peux... Je suis désolée, il faudrait que je ne vais pas te dire oui ou non, Jeanne, parce que je n'ai pas pesé. Je sais qu'on peut faire, qu'il en reste un peu, mais est-ce qu'il en reste assez de faire 10 cm? C'est beaucoup, d'accord? Alors, Daniel, comment éviter le trou de début du rang? Alors, il y a plusieurs façons. Moi, je serre beaucoup, puis c'est vrai que je vais, quand je rentre mon fil, s'il y a un petit espace, hop, je referme, ok? Je sais qu'il y a une autre méthode, je vais vous la montrer. Je ne la fais pas parce que je serre et puis je rentre mes fils en comblant le trou. Donc, je ne la fais pas, mais je sais que c'est une méthode qui a fait ses preuves. Donc, je vais vous la montrer. D'accord, Daniel? C'est une excellente question. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une maille de plus ici. Et quand ils ont fini le rang, ils vont commencer le nouveau rang quand ils vont faire le second rang. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tricoter la première maille. Voilà. Et ensuite, ils vont rabattre, tu vois, la dernière maille qui est ici. La dernière maille du rang d'avant. Attends, je vais être plus intelligente que ça. Allez, Céline, fais marcher tes neurones. Donc, la dernière maille du rang, ce que je fais, c'est que je vais la transvaser sur la première maille de l'aiguille, d'accord? Et là, je vais faire comme un surjet simple. Je vais glisser la première maille, je vais tricoter la première maille du rang et je vais rabattre la maille glissée sur la maille tricotée. Et hop, d'accord? Donc, je résume, je tricote un rang. La dernière maille du rang, je vais la transvaser sur la première et je vais commencer par un surjet simple pour resserrer. Voilà, donc... Alors, Chris dit qu'en plus les échantillons, ça fait des super lingettes pour un bébé qui fait ses dents. Tout à fait. Et d'ailleurs, je relance sur ça parce que c'est toujours intéressant. Il y a ce qu'on appelle les livres muets. Donc, pour habituer les enfants à toucher des textures différentes, on peut faire plein de carrés avec des textures différentes et puis peut-être les relier un peu comme un livre et ils peuvent sentir ça, sachant qu'on a des connexions au bout des doigts qui nous permettent d'être très sensibles aux différents touchés. Et ces connexions-là, si elles ne sont pas travaillées, quand tu arrives à l'âge adulte, étant donné qu'elles n'ont pas servi, elles sont entre guillemets déconnectées. Mais si en tant qu'enfant, tu donnes à ton enfant le fait de toucher en lui disant « Oh regarde, ça c'est de l'alpaga, ça c'est du mohair, ça c'est de l'acrylique, ça c'est du plastique, ça, etc. » ça lui permet vraiment de connecter toutes ces petites choses au bout de ses doigts. Et ça va lui donner un sens du toucher qui va être très développé. Donc, c'est intéressant. Ça fait penser d'ailleurs, je pense que c'est en Inde, c'est moins drôle, mais
Il y a des enfants qui récupèrent dans les décharges plein de bouts de tissu et qui, en les touchant, ben, ils peuvent trier quel type de laine, quel type de matériau c'est. Donc ça, c'est vraiment avoir les bouts du doigt super sensibles, le toucher, c'est très important. Et puis en tant que yogi, je vous dirais que le toucher, c'est relié directement au chakra du cœur. Voilà. Voilà. Alors... En coton, est-ce que ma chaussette en coton... Alors, le coton, ça dépend du type de coton. Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il va être raide? Ça va manquer d'élasticité. J'aurais préféré peut-être un petit mélange moitié coton, moitié laine. Voilà. Je sais que moi, j'attends pour dans 2 semaines la Coast. Donc, il va y avoir plein de couleurs. C'est notre nouveau worsted qui est 45% mérino et 55% coton. Mais voilà. Alors, à quel âge? Eh bien, dès qu'on peut. Dès qu'ils commencent à toucher, évidemment, le problème, c'est qu'ils mettent à la bouche. Mais vers 2-3 ans, plus tu peux faire travailler les doigts. Donc, éviter de leur faire manger avec la petite cuillère. Le plus ils peuvent manger avec les mains, c'est vraiment très important. Puisque... toucher, ça donne tellement d'informations. Allez, je suis en train de sortir complètement de mon sujet, mais le tricot, c'est justement un art de la sensualité, je trouve. C'est un art des sens, hein. Je ne suis pas en train de déborder sur autre chose, mais quand je parle de sensualité, c'est un art des sens, c'est un art du toucher, de reconnaître des belles matières. Et voilà, c'est pour ça que j'aime tricoter avec des belles matières. C'est tellement agréable de pouvoir voir c'est quoi du coton, c'est quoi du lin, c'est quoi de la soie sauvage, du mérinos, du blue face. Donc, le toucher, dans le cas du tricot, c'est un petit peu arriver dans une boulangerie, puis voir plein de pains différents, des pains blancs, des pains briochés, des pains six céréales, des pains avec des graines de lin. Eh bien, c'est ça le tricot. Si on s'intéresse à la matière, et on doit s'y intéresser, je veux dire, pour pouvoir vraiment, j'ai le mot en espagnol, tout disfrutar, pour pouvoir se délecter, je veux dire se délecter de cette expérience du toucher qui vient avec tout ça. Donc voilà, je reviens à mes petits oignons là. Donc comment est-ce qu'on va commencer? Vous avez 3 tailles qui sont proposées. Donc 36, 40, 44. Donc moi, je vous ai expliqué pour mon tour du pied qui est assez banal, 23 cm, j'étais sur un 40 mailles, donc la taille small à medium. On monte avec les aiguilles 3.5 et on va joindre en rond et on va faire donc la côte de 2 pour 10 cm. Voilà, ok. Donc c'est ce qui va permettre de tenir... voilà, tenir à la cheville. Puis ensuite, on va faire 5 cm tout droit en jersey et ça va être fini, hein, puisque c'est une chaussette un petit peu type socket. Et ça va être fini. On s'arrête là, puisque on va voir la semaine prochaine, on va voir le talon, ce que j'appelle aussi le triangle des Bermudes, puisque c'est là que beaucoup de tricoteuses disparaissent du monde de la chaussette, parce qu'elles trouvent ça compliqué, et je vais vous montrer que ça ne l'est pas si on comprend la logique qui est derrière. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qu'il en est de ce cours ce matin? Ok, est-ce que je peux rappeler la laine à utiliser? Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai recommandé à la base, c'était une laine mérino avec une laine mohair. Et puis, nous, ce qu'on a en magasin et que j'adore, c'est la laine danoise Knitting for Olive, parce que c'est une laine avec beaucoup d'éthique, ce qu'on appelle, elle a un standard rich. Alors, ça veut dire quoi, standard rich? C'est un standard sur les teintures. Donc, ça veut dire que c'est des teintures qui sont absolument non toxiques, aussi bien que pour les gens qui vont teindre dans les filatures, que pour vous quand vous allez la porter. Et oui, vous ne le savez pas, mais il y a de l'intoxication vestimentaire. Il y a certaines personnes qui sont assez peu regardantes sur la façon dont ils teignent leurs vêtements.
je vous conseille de faire attention aux vêtements fluo notamment. Mais ceci est encore une autre polémique. Bref, donc Standard Rich, laine organique, avec toute une éthique globale de bien traitance des animaux, la manière dont la laine est lavée, etc. C'est avec des savons, pas avec des dérivés du pétrole. Donc, bon, il y a toute une chaîne derrière que j'aime beaucoup. Donc, il y a un brin de mérino et il y a un brin de mohair et soie de chez Knitting for Olive. Et les couleurs, en plus, se répondent. Donc, moi, j'adore. OK. Et puis, pour la mienne, ce que j'ai fait, j'ai été un peu dans mon stock parce que j'ai un énorme stock. Et j'ai pris un brin de fil à chaussettes et puis j'ai pris un brin de mohair et soie. D'accord ? Donc, fil à chaussettes, c'est du fil fin, puis mohair et soie fin aussi. D'accord ? Donc, grosso modo, un fil fin avec un fil de mohair qui va donner tout le gonflant. Ah, sur le patron. Ah oui, c'est 5 rangs, pas 5 cm. Oui, mais c'est 5 rangs, tout à fait. C'est pas 5 cm. Merci. J'ai lu en diagonale, c'est mon propre patron. Tu vois à quel point j'oublie vite. Alors, Nathalie Lamoureux, je veux les faire avec de la rosie. Oui, ça devrait aller. D'ailleurs, Catherine les a fait avec la rosie, elle a beaucoup aimé. Tu peux tout à fait le faire avec la rosie, bien sûr. En plus, c'est bien parce que dans la rosie, tu as de la laine, un blue face, du mohair et un petit peu de nylon, donc c'est merveilleux. Parfait. Bon, bah, écoutez, je suis vraiment ravie si ça vous a plu. Oh, la technique de montage, bien sûr. Quelle technique de montage ? La technique de montage que moi, personnellement, j'utilise, c'est un long tail cast-on. Donc, un montage, vous pouvez aller le voir sur knittinghelp.com si jamais... je l'ai expliqué dans le premier cours de la couverture. Donc, ça, il est sur YouTube, hein, sur la maison tricotée. Vous pouvez aller voir le premier carré dans les bases du tricot avec une couverture. Je montre le long tail cast-on. C'est un montage que j'aime beaucoup parce qu'il est souple. D'accord ? Peut-on doubler le talon ? La laine est déjà doublée puisqu'il y a un mohair dedans. Donc, je ne vois pas forcément l'intérêt. Si tu étais sur un fil, genre juste fil à chaussettes, je t'aurais dit, oui, tu vas y gagner de doubler avec du mohair, par exemple. Mais là, la laine est déjà doublée, donc ça ne va pas être nécessaire. Avec plaisir, Manon. OK. Bon. Voilà, et donc vous pouvez aller revoir donc, le premier cours de la chaussette sur de la chaussette des carrés sur YouTube. Je remontre le long tail cast-on. Voilà. Bon, écoutez, ça a été un vrai plaisir de passer cette matinée en votre compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ça va être super. On va faire le talon, la talonnette et le gousset. C'est un sacré projet. Je me demande même si je vais le faire en une seule fois ou deux fois, mais ça, je vais y réfléchir. Je laisse toujours la semaine pour réfléchir à tout ça. Mais ouais, je suis sûre qu'on va pouvoir le faire. Ça va être super. Voilà. Oh, merci, Daniel. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Peut-être que j'en retrouve pour le Ranunculus dimanche. Et sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.